Ah, yes. Deposit. You have deposit? Ah, yes. Okay. Thank you. Bye. On est arrivé à la gare centrale pour reprendre le bus pour aller à Cameron Island. Et c'est pire qu'un aéroport. Hein. C'est très très grand comme vous pouvez le voir. Hein. Donc on a payé pour deux 17,50 € environ. On vient d'arriver à Tanarata, donc Cameron Island, et on est à la recherche de notre guest house. Et là, je suis contente parce que on est en plein dans la campagne. Voilà, c'est un village, mais il y a la campagne autour. On a enfin trouvé Vintage Guest House. Faut se déchausser avant de rentrer. Visite de la chambre comme d'habitude. Bon, elle n'est pas très très grande pour 4 nuits. Donc un lit, pas trop king size, mais ça va. Un peu défraîchi. On va dire qu'elle est propre. Et un bureau. Un placard. Une fenêtre, mais à mon avis, elle ne s'ouvre pas. Enfin, sauf sur un mur. Bon, il vaut mieux laisser fermer au cas où c'est une bête qui rampe. Et puis, ben, les toilettes, comme en Thaïlande, le chauffe-eau, les toilettes dans... avec la douche. Voilà, c'est le minimum. Et je ne sais plus combien on a payé pour les 4 nuits. Je vais vous dire ça après.
Coucou. On a pris possession de notre chambre et maintenant on va chercher, on va faire un petit tour aux alentours et dans le village, éventuellement voir quelque chose à grignoter. Il fait très très bon, il fait pas chaud et je crois même qu'il y a des petites gouttes qui vont arriver là. Hervé, il a sorti son polaire. Ouais, le temps est nuageux, mais ça m'a l'air sympa. Bon, ben, j'ai hâte de faire ma randonnée. Demain ou après-demain, on verra. Quoi? Sois pas vulgaire. À plus tard. Cameron Island. On est quand même à 1400 mètres. Et là, le temps se couvre un peu comme à la montagne, mais en fait, on est à la montagne. On vient d'acheter des fraises et Hervé a voulu du chocolat avec. Et donc, ouais, on n'a pas résisté à la tentation de goûter une tout de suite. Les grosses fraises. Elles sont bonnes. En fait, les fraises, c'est la production locale. Il y a une très très grosse exploitation de fraises. Les plus grosses fraises. Elles sont très très bonnes. C'est bon? Le plat d'Hervé. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a un œuf dessus, des légumes. Je m'en rappelle plus du nom. Bon, moi j'ai une simple salade. Bonjour tout le monde. On est sur la route là. J'espère que vous allez m'entendre. Donc aujourd'hui on est dimanche et on est toujours à Tanarata. Et donc on va faire une randonnée de 10 km environ, avec un plus ou moins 600 mètres de dénivelé positif. Voilà, et 590 négatifs. Donc, cette nuit, on a plus ou moins bien dormi. La chambre est très, très humide par rapport à la végétation qu'il y a autour. Et bon, ça va. Hein. Et on n'a pas vu pire, non. Et par contre, il y a beaucoup de grosses structures qui sont en train de se construire, grosses structures hôtelières je pense. Il y a beaucoup de monde qui doivent venir ici pour les randonnées ou visiter les champs de thé et de fraises. Voilà, et je crois qu'une partie de notre randonnée, on traverse les champs de thé. On verra ça plus tard. Donc là, on se rend à pied au début de la randonnée, il n'y a pas pour longtemps, je pense. Bon, je vais arrêter de bablater et je vous dis à plus tard. On marche quand même pas mal avant de trouver le sentier. Bon, là, il y a des voitures. J'espère que ça ne va pas trop durer. La végétation tropicale avec les fougères arborescentes. J'ai même vu pas mal de teck. Du ficus aussi, bizarre. Et puis pas mal de végétation, laquelle que je suis habituée, mais je ne connais pas le nom. Beaucoup de fougères. De l'autre côté, là, il y a beaucoup de fougères. Les arbres sont immenses. Pour vous montrer un petit peu la taille par rapport à un doigt. Oh la vache! Thank you.
la plantation de thé Highland Tea, Cameroun. Donc on vient de rentrer dans l'enceinte de la propriété où il y a la plantation de thé. Donc on a payé 4 ringgits par personne. Et elle nous a donné un bracelet orange parce que la randonnée, elle traverse les champs de thé. Donc pour traverser les champs, il faut payer. Et puis on a un nouvel ami, il nous suit depuis au moins 2 km. Ouais. Et le truc rigolo, c'est que le gardien l'a chassé. Et là, on marche et on le voit arriver par un autre chemin et à notre rencontre. Donc, il nous a adoptés, je pense, pour la journée. Et puis, ben voilà. On va traverser ces champs. Il fait bon. Il y a un peu de soleil, mais il fait bon quand même. Hello. Hello. Des brins de chouchou. Ah, il y a des chouchous. Ah, il y a même des chouchous dessus. Bon, ben, je suis pas trop dépaysée. Hein. Concernant la végétation, il y a un joli là. Puis c'est du croissant, je pense. Au milieu, champ de cresson et de chaque côté, le thé. Un champ de cresson. Oh, c'est dur. Bon, on attaque les 600 là. C'est des cultures de chouchou. Enfin, de Christophine ou de chayotte, pour ceux qui ne connaissent pas le mot chouchou. Bon, on continue à monter. Ouh. Regardez ses pieds. Et c'est bien en pente. Ouh, il fait très lourd. Il n'y a pas de soleil, mais il fait chaud. Il fait très très chaud. C'est tout droit, ouais, je pense. Ah.
ça mon talon, c'est sale. Bah, c'est parce que j'ai pas trop de force dans mes bras. Voilà, c'est sérieux là. Attends. C'est pour le sport, non? Il y en a qui font du vélo. Ah ben là. Là, faut que tu me donnes la main, là, s'il te plaît. Je peux pas te la donner quand je suis en pente. Hein. Je n'ai pas d'accroche. Le sentier change, on est dans la forêt épaisse. Combien de kilomètres? Ma montre, elle dit 13 kilomètres. D'accord, la mienne, elle dit 11 km 700. Je fais 6 km au bout. Oui, mais par moments on fait des petits pas aussi. Ouais. Ça fausse. Mais c'est un pas quand même. Ouais.
terre et puis racine que ça puisse être. Eh ben, elle va être contente, Sabine, elle aura fait sa randonnée. Ouais. C'est un paysage que tu connais pas. Ouais. Il fait pas trop chaud, il fait bon. Là, il fait meilleur là, que tout à l'heure. On avait fait 50 mètres et on était en sueur. C'est ton stress de la côte. Ah ouais. Je vais m'engager. Le sentier change, on est dans la forêt épaisse. Combien de kilomètres? Ma montre a dit 13 kilomètres. D'accord, la mienne elle dit 11 km 700. Je pense 8 km complet. Oui, mais par moments on fait des petits pas aussi. Ouais. Ça fausse. Mais c'est un pas quand même. Ouais. Une éclaircie dans la jungle malaisienne. Il apparaît ici encore, si. Non, il attendait pour la photo. Ce tapis en haut, ça fume là. Comme ça, je peux couper alors, c'est bon. Oui, il n'y a pas besoin de corde. Hein. Bon ben, on a fini la, enfin presque fini la randonnée, au moins encore un kilomètre. Dans la forêt. On a déjà fait 11 km ou 12 et notre compagnon de route est toujours avec nous. Il a crapahuté dans la jungle avec nous. À voilà, on pensait l'avoir perdu mais il nous a pris, il nous a devancé, il nous attendait à l'arrivée, à l'abri sous une voiture. Et là on arrive derrière le village de Tanara, enfin je ne sais pas, je ne m'appelle plus comment on dit. Tanarata.
Tanarata. On va en faire quoi? Il est trop maigre pour le moment. Et donc, on va pas l'emmener avec nous. Hein. Ben non. Un petit repas indien. Une averse tropicale. Petite maison à colombage. Enfin, petite. Cactus Valley. Une petite randonnée aujourd'hui, d'une dizaine de kilomètres. Normalement, on est censé d'aller voir les fraises. Chambori Valley, des grosses fraises. Et on tombe sur cactus. C'est plutôt une grosse serre. Des grosses fraises par terre. Circuit touristique. C'est une serre en fait. Elles sont belles, fleurs. Ça fait chier, là. Et là, on arrive à la ferme. La fraise. Le Big Red Strawberry. Les fuchsias, elles sont belles. Hein, belles. Petite dégustation de fraises. Chocolat, jus de fraise et jus de fraise avec je ne sais pas quoi. Fruits rouges. Fruits rouges. Un temple tamoul sur notre chemin du retour de randonnée. Une randonnée le long de la route. Ils ont les becs vachement fins. Après notre petit randonnée, on s'est arrêté. Enfin, on s'est arrêté longtemps après dans un petit restaurant indien. Et il est presque 18h. On n'a pas déjeuné, donc ce sera le déjeuner et le dîner. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous partons pour Georgetown. On a pour 4h30 de bus, 4h30, 5h. Donc on part de là à 9h. 14 vers 15h, je pense qu'on sera à Georgetown. Et donc, voilà, nous quittons Cameron Island. Et ouais, nos sacs sont là. Très bien, une petite étape. Voilà. Et Hervé, il se prépare. Oui, c'était cool comme étape. Ça change de la grande ville, de Kuala Lumpur, où il y a du bruit, de la circulation, il fait très chaud. Ici, il a fait entre 20 et 22 degrés, parfait. Et même pour prendre un peu un bol d'air, c'est cool de s'arrêter ici. Nous, on a bougé un peu, mais ça dépend des personnes. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous tout à l'heure dans le bus.